et va prendre tout. Vous dites non? Oui, ou même, c'est d'un bon pour avoir oui. Ah, c'est vrai, la Bible dit vraiment, bon Dieu, que l'homme est oui, pas passer les coups de sauter. Oh, tchaba, j'y vais. Les mâchoires finiront par décoller à cause des baillets. Et puis, deux jours, je ne vais pas presque manger rien. As-tu de l'autre de la mort, je t'ai pas l'eau de la capitale. Ou te comprendre, j'étais paradis sous terre. Ou te comprendre, j'étais pillage. Eh bien, tu as trompé. Nous avons beaucoup de matin, on va abandonner pas malheureusement, on va entrer dans la capitale. Qui sont joints? Au lieu de piller, c'est crasse, c'est courage. Ça crasse, c'est courage, là. Quand on dit un mot, là, crasse, c'est courage, ça veut dire ça. Qui a été mot, ça va prononcer la taille, là? Vous avez été provoqué à ce vous savez, c'est point à bruit. Vous l'avez dit, depuis le matin, beaucoup de gens, non? Je vais rentrer à quand même, je vais rentrer à quand même, je vais rentrer à quand même, je vous dis à l'après manger. L'après c'est la déshabitude à manger. Ah non, je ne vais pas faire moi-même. Côté où les riches? Où les riches? Pourquoi ne pas monter en haut là? Attendez, non. Moi, je t'en dis, Franck Richard, avant pas. Côté, monsieur. Monsieur, m'entends, voilà, la voix, la garde côté de la voix. Oh, oh. Ah, mais qu'on a mis chez la qui là. Monsieur, l'âme de Welfem, ça. Qui dit bagage ça? Là, c'est où m'a cherché là. Pas venu. Est-ce que le plan a réussi? Le plan n'a pas réussi. Ah, c'est terrible. Passer encore une semaine sans 6 centimes. C'est une tonne d'habitude. Non, on va pas tomber comme ça. Faut chercher un plan. Faut que je fasse un plan pour me faire quoi? Pas rapide, moi, je t'ai fait ça, vous nous avons travail. Notre cerveau n'a pas fini de travailler les manques et mélanges. Nous sommes encore en train de conjuguer le verbe végéter. Mon petit cerveau ne m'arrête en rien, quoi. Nous devons entendre les cris de ceux que nous égorgeons et leur extorquer de quoi vivre et nous réjouir de leur souffrance. Entendre leurs plaintes et en rire de joie pourvu que le mâchoire soit en train d'écraser quelque chose. Ouais. Maintenant, tu nous conseilles une mauvaise action? Mauvaise action. C'est ça? Quand on commet une action, on n'a pas besoin de savoir s'il est précédé ou suivi de l'adjectif. Nous ne devons pas cesser de faire travailler notre cerveau afin de sortir vainqueur dans la lutte pour la vie. Il faut lutter pour vivre. Mais nous combattons des vrais doux. Nous avons l'idéal parce qu'il y a quelques jours avec maman. Ah non. Ah non, non. Sauvez le bien, sauvez. Vas-y, bon, faut pas. On va être là avec nous. Vous voulez aller mettre? À nous trois, nous formons une trinité. Vous avez les trinités. Trinité des manques et mélanges. C'est comme ça nous vivons. Je ne dois pas quitter nous. Si vous quittez nous, on traite. On traite. Je vous être là avec nous. Parce qu'on connaît des fois apprendre le catéchisme et mélange. Prenez-nous. Est-ce qu'on songe le catéchisme et mélange? Je me songe quelques mots là-dedans. Vas-y, deux frères, deux personnes dans un manque de mélange. Il y a trois personnes dans un manque de mélange. Qui sont? Languichat Mouléis et son serviteur presque très passage. Mouléis est-il meilleur? Oui, Mouléis est meilleur. Languichat est-il meilleur? Oui, Languichat est meilleur. Azibé est-il meilleur? Oui, Azibé est meilleur. Nous sommes pas trois meilleurs? Oui. Nous sommes trois meilleurs. Voilà, très bien, très bien. Mais. Oui, monsieur, bon, oui. C'est bon. Mais la police en fait rien, c'est le même bout. Regardez, des choses qu'on va vous. Sous votre grand goût, il va d'abord avec vous.
il a défrappé. Hein? C'est capable de mettre ta ligne de tac, moi. Après, c'est ouvert. Mais pas bien. Algaré, vous êtes bien. C'est capable de nous faire manquer mes langues sur les tout. Par exemple, on est sur mon caméra. Algaré. Si vous n'avez pas de colmar, c'est pour nous faire mal sur les tout. Regardez avant, vous êtes. Pas d'adré, non? Mais. Ça, dis, parlez, non. Parlez vite, non. Pourquoi j'ai l'accès sur le oui, parlez, parlez. Est-ce que c'est la police? Plutôt, c'était la police. Mais parlez, ça gagne. Ou pas contre qui est attendre à vous entrer? Oui. Monsieur Sanjoa, à toute famille, à mallette. Tu vas prendre la ville là. Ah non, ça, non, Sanjoa va nous comprendre qu'il y avait une entrée ici. Ah non. Ça, c'est sûr. Le con, vu notre situation, avoir une famille à notre charge. Non. C'est un grand papa, non? Le grand-papa a fait nous comprendre que nous gagnons. A fait ceci sur la parole, regardez. Mais ils comprennent que nous débarrassons. Et puis le plus mal passé, nous. Azibé. Oui, mais il y a tant de gens qui savent dire. Pas ouvrir votre là. Nous ne pas recevoir. Nous ne pas recevoir. Nous ne pas recevoir. Ah, nous comprenons. Nous avons dit que nous avons voyage. Ok, bon. Azibé pas dit que nous voyage. Nous voyons pour un mois. Dis que nous voyage. Mais pour les nous voyage pour un mois. Oui. Bon, qui va passer responsabilité au faire entrer ici? Oh, moi-même, après, mon tapis diminue la manger, moi-même. Bonjour, Azibé. Bonjour. Mes amis, si c'est venu, nous venons pour nous habiter. Je ne suis pas capable de recevoir, non, je regrette ça. Mais. Où sont mes bons amis qui chapent où les us? Ah, ils sont partis. Ils ont un voyage. Ils font moi d'eux. Donc, je ne vais pas prendre responsabilité pour m'accepter. Mais, Azibé, vous savez que le Guichat est un bon ami à moi. Et il ne saurait refuser de m'héberger. Aussi, le propriétaire de ma maison m'a mis dehors. Je ne peux tout de même pas rester dans la rue avec ma famille. Mon Dieu, qu'avons-nous fait de mal pour connaître tant de déboires. Dieu n'y est pour rien, Marielle. C'est le destin. Et je ne puis rester sur le pavé. J'attends ici le retour de vos maîtres. Oh. Mais ça, je ne vais pas prendre un chien à sous le nom. Comme j'ai honte. Moi, je n'ai pas honte. Ah, c'est toi. Je reste. Tu veux là, M. Saint-Jean, ou pas prêt à l'étrer? Je reste. Je sais que l'Anguichat et Ouléus seraient au contraire très joyeux de m'avoir. Car ils n'oublieront pas, lorsque je fus commissaire, je les ai sauvés. Ils étaient à deux pas de la prison. J'ai risqué mon job pour eux. Aussi, je ne rougirai pas de leur demander un petit coin où me coucher avec ma famille. Je reste. Tu vas là, monsieur Saint-Jean, on dit mon papa, allez. J'attendrai un mois, s'il le faut, le retour de vos maîtres. Un mois de retour de vos maîtres. Bon, excusez-moi, ma fille. C'est terrible ce qui nous arrive. Ne t'inquiète pas, Mariette. Sois tranquille. Je sais qu'un jour, je reprendrai pied. On aurait fait appel à moi pour un emploi, mais il y a trop de confrères jaloux qui me barrent le passage. Notre enfant est malade. Nous ne pourrions pas passer la nuit au dehors avec lui. Il en mourrait. Non, tu petit, non, malade. Oui, très malade. Oh, regarde. Et puis, je suis sûr que le Guichat serait au contraire très joyeux de nous avoir. Oui, très joyeux de nous avoir. Oh, mon cher Saint-Joie! Monsieur, c'est Dieu qui vous envoie! Oh, mon cher Saint-Joie! Mon cher Saint-Joie! Bonjour, madame! Ah, madame? Ça va? Ah, mais ce qui me compte en vous? Je remercie Dieu de vous avoir envoyé. Ah. Mais Azibé m'a dit que vous allez revenir après un mois. Oui, c'est ça. Oui, nos visites ont été retardées. Oui, nous ne pouvons pas. Vraiment? Et dans quelle ville avez-vous été, messieurs? Au Cap. C'est-à-dire que nous sommes passés par Cap, Caille, et puis nous sommes passés Jacmel, font tout. On
concerne nos voyages. Oh, voyage fatigant. Et combien de temps avez-vous passé dehors? Un mois. Monsieur, je sais que vous êtes étonné de nous trouver ici, ma femme et moi. Oh non, pas étonné. Je ne rougirai pas de vous dire que le propriétaire m'a enfin mis à la porte. Je lui devais 4 mois de loyer. Oh, 4 mois seulement. Oui, ne pouvant rester sous le pavé, j'ai tout de suite pensé à vous. Oh, ça me fait grand plaisir, monsieur. Nos portes sont ouvertes pour vous. Oh, merci. Merci, messieurs. Vous êtes des hommes de cœur. Mes amis, vous êtes chez vous. Maman, il y a fait. Qu'est-ce que ça signifie? C'est parce que nous avons dû faire comme chez nous. Gregou, c'est mon petit Gregou. C'est ça. Toto, si tu n'étais pas malade, je t'aurais appris à bien te conduire en société. C'est un enfant, c'est un enfant. Nous aimons bien les enfants. Venez, tiens, laissez-moi vous débarrasser. Levez-vous. Monsieur, vous êtes fatigué, allez-vous changer? C'est un pyjama que vous avez voyagé. Non, j'aime ça, avec voyager en pyjama. Alors, excusez-nous. Prenez Azibé. Azibé. Merci. Azibé. Bon, on est tout en voyage pour que tout le monde soit là. Ah, on est dans la voyage. Oubliez, vous êtes dans la voyage. Alors, excusez-moi. Tout à l'heure. Excusez-nous. Merci beaucoup. Tu vois, quand je te disais que l'Andichat et Ouléus ne nous laissaient pas sur le pavé. Deux braves types. Moi, je me sens gênée. C'est que nous sommes trois. Ne t'en fais pas, Mariette. Sois tranquille. Et vu notre situation, on doit mettre toute gêne de côté. Pour moi, c'est pas facile. Voir que nous avons un enfant malade. Et puis Albert, je ne comprends pas la rentrée de ces messieurs. L'Anguichat, lui, était en pyjama. Il a dit qu'il revenait du Cap et Ouléis de Jacmel. Ils ont voyagé par camion et pas la moindre poussière à leurs cheveux. Ah non, madame. Que veux-tu dire, Mariette? Ah non. Ces gentils hommes ne sont pas capables d'une telle ruse. Oh non. Mon cher Saint-Joie, notre serviteur Azibé vous prépare un bon lit. Merci mon grand ami, merci. Soyez les mâles et les bienvenus. Maman, il est fait. Tais-toi, je te dis. Laisse-le, c'est un enfant. Mon petit, tout à l'heure, nous allons t'apporter à manger. Oui. Et ne vous dérangez pas pour nous, monsieur Ouléus. Tout le plaisir est pour nous, madame. Je vous en remercie. Ah, messieurs, j'ai traversé aussi une crise extraordinaire. Ah, bon tour. Eh bien, qu'est-ce qui vous est arrivé? Maître Saint-Joie, vous êtes un grand juriste. Vous fûtes commissaire du gouvernement. Oui, moi. Mais pourquoi ne faites-vous pas des démarches pour obtenir un emploi? Je n'aime pas quémander les postes comme beaucoup le font. Il y en a qui font la navette et qui rentrent comme des serpents dans les couloirs des départements. Moi, j'ai horreur de ces procédés. Horreur. Maître Saint-Joie, vous êtes un grand juriste. Vous fûtes commissaire du gouvernement. Oui, moi. Mais pourquoi ne faites-vous pas des démarches pour obtenir un emploi? Je n'aime pas quémander les postes comme beaucoup le font. Il y en a qui font la navette et qui rentrent comme des serpents dans les couloirs des départements. Moi, j'ai horreur de ces procédés. Horreur. C'est passé. Tu ne parles pas de cabane. Cabane. Mais il fait grand jour. Non, il faut même vite aller. Tu t'as reposé, non, madame? Oui. À tout à l'heure. Azibé. Azibé, viens conduire. Viens dans le chemin, non. Je ne vous dérange pas. Oh,
Non. Attention, papa, peut-être non. À quoi? Mais ça, je vois la police, c'est pas dérangé nous. Mes amis, on a toujours nos moyens pour nous débarrasser avec eux. Bon, nous t'étouons pas de café, bon, qu'on y a nos 5 et demi. Comment nous va-t-il là? Oui, mais comment nous va-t-il faire vraiment? Je plains le sort de cet homme. L'homme plein de sort, là, qu'est-ce qu'il a plein de sort par nous-mêmes? En voilà les gens que les flots d'existence ont torturés. Les flots? Les flots à papa, c'est le connu ensemble avec le mot de l'allée. C'est triste. Et dire qu'il y a quelques années de cela, son choix était un homme aisé. Ça que je l'aime. Pas foutu comprendre ça que je. Et notez que c'est la grande honnêteté de son choix qui lui a permis de connaître tant de déboires, jusqu'à être hébergé par trois mêleurs. Il a eu tort. Oui, mais il n'y a pas de qui pour ça. Qui t'en sorti? Il faut le me conduire. Non, il n'y a pas l'argent à la maison. Vas-y, il a sorti la balle. Son choix appartenait à une école. On a toujours combattu pour la sauvegarde d'un nom, d'une renommée. Son choix est un homme à respecter. Ça va empêcher que le dégât là, m'a immédiatement amené à petit lit. Je suis ici. Vous êtes encore là, je suis venu à courir ici. Vous venez? Moi, je suis descendu quoi? À la fin du monde pour jouer. Et pour chien commencer à le cacabrit, à Jibé prend ton pays, ton panier et enfuit en Galilée. Et pas nous descendre. Tonton ne veut pas se coucher. Maman, regarde la dame noire qui me fait de la grimace. Non chérie, il n'y a pas de dame en noir. Elle vient me chercher. Calme-toi, ta maman est là. N'aie pas peur. J'ai soif. Mais tu bois trop d'eau. Si je pouvais t'acheter du jus. Attends. Mariette, je vais te souper à voir mon ami Jacob Villeman. Peut-être trouver de l'argent chez lui pour acheter des médicaments. Vas-y donc. Puisse Dieu te les faire trouver. À tout à l'heure. Nous avons enduré avec courage les épreuves et les tribulations de cette vie. Seigneur, tu es bon et miséricordieux. Tu sauras nous apporter un baume de consolation afin que les blessures de nos cœurs puissent être cicatrisées. Maman, tu es chaud, tu es fait, tu es sommeil. Viens. Mets-toi là. Essaie de dormir un peu. Tu mangeras tout à l'heure. Où vais-je trouver à manger? Seigneur, viens à notre secours. Madame, une demoiselle qui demande pour vous. Une demoiselle? Oui. Comment c'est elle que je suis ici? Je ne sais pas, non. En tout cas, elle a demandé vous. Eh bien, faites entrer. Faites entrer. Ah, Monique! Comment avez-vous pu nous découvrir? Eh bien, je suis allée chez vous ce matin. Les gens du quartier m'ont appris que vous avez déménagé. Mets-toi donc, ma chère. Et ignorant votre nouvelle adresse. Par chance, j'ai rencontré M. Sangjoie au Carrefour. Il m'a expliqué la maison. Et votre mère, comment va-t-elle? Elle se porte bien. Le hasard fait bien les choses. La maison qui était en construction dont je vous parlais est limitrophe à celle-ci. C'est aujourd'hui que nous y prenons logis. Voyez-vous? C'est Dieu qui le veut ainsi. Entre autres, ma mère est en ce moment en train d'arranger ses meubles. Je vais l'aider. Et Toto, comment va-t-il? Ma chère, il avait la fièvre. Maintenant, il fait un bout de sommeil.
Tenez, madame, c'est pour Toto. Oh, merci, Monique. Oh, ma chère, tu es une bonne amie. Eh bien, ma mère a de l'argent et je suis son unique fille. À quoi sert d'être riche si on ne vient pas en aide à ceux qui souffrent? Merci, ma chère amie. Dieu vous en tiendra compte. Bon, je m'en vais. Oh, déjà? Malheureusement, mes amis Languichat et Mouléus ne sont pas là. Je vous les aurais présentés. Eh bien, ce serait pour un autre jour. Ah, ils ont accepté sans hésiter à nous héberger. Ah, voici monsieur Mouléus. Bonsoir, mademoiselle. C'est monsieur Rouléus Rouléon, mademoiselle Monique Fleuvieux. Enchantée, mademoiselle. Très heureuse. Bon, permettez-moi de prendre congé de vous. Est-ce ma présence qui vous effraie, mademoiselle? Non, pas du tout. J'allais sortir lorsque vous êtes entrée. Oui, elle allait partir. Dans ce cas, je vous présente mes plus humbles excuses. Aucun mal, monsieur. Au revoir. Au revoir. Madame Saint-Joie, à bientôt. À bientôt, Monique. Merci beaucoup. C'est qui est-ce? C'est Monique Fleuviot, fille unique de Madame Jérôme Fleuviot. Oh, une très bonne personne, cette Monique. Sa mère est riche. C'est une anomalie de sentiment. Bonne et riche à la fois. Elle est présidente d'une grande œuvre de charité. Elle nous a beaucoup soutenus depuis 3 mois qu'elle a lié connaissance avec nous. Elle fait beaucoup de bien autour d'elle. Son père vit-il encore? Non, son père est mort. Oh, c'est pour alléger l'âme du père qu'elle fait tant de bien. La belle maison, tout près d'ici, dont la cour est limitrophe à la vôtre, c'est pour sa mère. Vraiment, je crois avoir remarqué en entrant une sorte de remue-ménage. Oui, c'est ça. Elle m'a dit que sa mère y prend logement ce matin même. Bon, je vais jeter un coup d'œil de chez votre bienfaitrice. Sans indiscrétion, madame. Est-elle fiancée? Non. Au contraire, elle s'en chagrine. Elle me dit parfois qu'elle ne s'attend pas à attirer l'attention des hommes. Et que si quelqu'un viendrait lui faire la cour, ce serait peut-être à cause de sa fortune. Oh, elle résonne comme une sainte qui aurait été excommuniée. Mais elle mérite l'absolution. Car ça s'achète avec les Greenback, l'absolution. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment va-t-il, Mariette? Oh, sa joie, il délire. Tu as pu acheter les médicaments? Hélas, j'ai commandé à des amis, mais personne ne m'a servi. Tous les cœurs sont restés clos à mon appel. Nous sommes la proie de toutes les vicissitudes. Chaque jour, je cours les bureaux demandant du travail afin de subvenir aux besoins de ma famille. Je n'ai jamais pu en trouver. Mes espoirs sont vains. Mes efforts stériles. Chérie, Monique est ici. Je le sais, c'est moi qui lui ai expliqué la maison. Elle m'a fait cadeau de $15. Nous pourrions les réserver pour faire le complément afin d'acheter les médicaments. Ah non, ces $15 serviront à nourrir notre fils. D'abord, il nous manque $15. Il faut qu'il mange. Nous n'avons pas de chance. Et moi qui comptais organiser un cocktail party dans le but de réunir les plus hautes personnalités du gouvernement dans l'espoir que l'une d'elles me donnerait un emploi. Et voici notre situation. Et console-toi. Dieu est bon, notre enfant sera guéri. Oh, notre enfant sera guéri quand il nous est impossible d'acheter des médicaments, de la nourriture. Nous ne sommes plus autant de miracles, Mariette. Oh, il n'y a rien que je ferais pour sauver mon fils. Je recherche les enfants. Je recherche. Je me saute pas toute ville là. Oh, mais tu t'as mal à ta pied. Ça ne va pas, la guichette. On nous a présenté une prescription et nous ne pouvons pas acheter les médicaments. Oh. Tu as vu le docteur? Oh, depuis longtemps. Si j'étais riche, il serait déjà là. Nous sommes des misérables livrés au courroux de la mort. Oui, de cette dame en noir. Et chacun de nous doit s'attendre à recevoir la visite de cette dame en noir.
Oh, quelle existence de chien! Moi, bien existence de chien. Chien, je viens de jouer à tel sous-série. Tel bouquet sous-série, je viens de saucisse qui file avec nous. Mais saucisse pas les de refuser de tuer, c'est très gris, gros. Bon. Vous pas avec aucun de vos amis, notamment des côtés pauvres, pour acheter des médicaments pour visite là. Les amis de Guichard, savez-vous ce que c'est? Ce sont ceux qui vous embrassent quand votre bouche est garnie et qui vous fuient quand la misère vous enchaîne. Ils sont rares, les vrais amis. Alors, qui fait peut-être un médicament qui doit être en danger? Nous ne pouvons rien. Oh. Combien de médicaments coûtez? 30 dollars. Vous mettez 4 centimes. Bon, vous parlez pour que les postes vous t'attendent l'année. Ouais, pour faire ça, la guichette, c'est le tout, moi. C'est le reproche, mais bon Dieu, c'est de ce côté inventé malheureux. C'est plus mauvais métier pour mon apprendre. Bon, 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 bon. Ah, la vie. On me dit la vie. Moi, je me dis la mort. Maman, la dame noire est là. Non, chérie, il n'y a pas de dame noire. Elle vient me chercher. Elle vient vous chercher aussi. Mettez. Ah non, non, non. Faut pas. Ça, mais dit la dame noire, oui. Faut surtout pas. Ah, faut que ça sorti. Ou tu ne vas pas arrêter de dire où est la dame noire. Quand on te dit, il n'y a pas de mauvais monde. Pourquoi? Ah, bah, on connaît mauvais monde dedans. Quand on mauvais monde, dit là. Faut sortir pour que ça sorti. Ah, mauvais monde existait. Oh.